enregistré par tout le monde. Il s'agit de la foire au projet, qui permet pendant 1h30 à une centaine de congressistes de partir à la découverte de 5 projets. 5 projets qui répondent à la thématique du congrès cette année, à quoi servent les bibliothèques, et en particulier d'explorer les endroits où la bibliothèque se trouve et où on ne l'attendait pas forcément. Nous avons Alice Bernard, chargée du numérique à la médiathèque de Saint-Avertin, qui elle est venue présenter une expérimentation, la création d'un jeu, Pokébib, qui permet d'explorer la bibliothèque tout en allant à la rencontre des bibliothécaires. On en a un autre avec Patrick Cartier de la bibliothèque de Morecourt qui lui est sur un projet de création de Grénothèque. Nous avons Anne Godot qui est une responsable de structure intercommunale qui elle est venue partager l'exemple de la conception d'un cycle d'animation scientifique dans un réseau périurbain qui comprend également des communes en milieu rural. Sylvika, responsable de la nouvelle médiathèque Assia Djebbar à Paris, qui vient faire un retour d'expérience avec les usagers et en particulier les adolescents autour de la collection de manga. Virginie Bazar, qui elle est à la communauté d'agglomération d'Épinal et qui a l'expérience éprouvée de la création de Murder Party en bibliothèque. Moi, ce que je peux ajouter peut-être de façon plus globale, c'est ce que les 18-30 ans disent. C'est vrai qu'avec les téléphones portables, les réseaux sociaux, il y a plein de manières de lire différemment. Lire un livre, peut-être qu'effectivement, on a l'impression que les jeunes lisent moins. Mmh. Je ne suis pas convaincu. Ils lisent peut-être autrement. Ils lisent des contenus, en tout cas. Ouais. Mmh. Ouais. Okay. Je vais prendre. Ah, madame, ah, bah oui. Oh là là. C'est drôle, c'est le seul livre que j'ai lu 3 fois dans ma vie. Il est toujours au programme scolaire. Ah. Non, c'est la France. Mmh. Je pense que ça doit être complètement. Moi, je l'avais aussi. Mais oui, non, mais je l'ai lu en 3e, en 2e et à l'université. Moi, je suis pas fan de Flaubert, c'est le seul livre que j'aime vraiment de lui. Alors, je suis fan de Flaubert. Ah, t'as bien Flaubert, d'accord. Moi, je l'ai pas lu à l'école, j'ai lu par plaisir quand j'étais ado. Vernon Subutex 2. Je faisais des interviews cinéma et elle voulait présenter son nouveau film. J'ai eu l'occasion de parler avec Virginie Despentes. En plus, j'avais beaucoup aimé son film et c'est quelqu'un de très intéressant. Le but de l'association, c'est de permettre à chacun d'avoir accès à l'information, à l'éducation et à la culture. Donc en France, on coopère avec des bibliothèques, on les aide à toucher à des publics qui ne viennent pas habituellement dans leur structure. Allez, celui-ci. Madame Bovary, de Flaubert. Oui, je l'ai lu, il y a assez longtemps. C'est un livre pour moi sur l'amour de la littérature, puisque Madame Bovary, c'est celle qui rêve dans les livres. Un objet atypique à ma bibliothèque. Oh là là. Le stand, selon vous, a absolument ne pas manquer. Bibliothécaire. Attends, je cherche mon ordi. Est-ce que c'est mon meilleur profil?